Et en signe considéré objectif zéro mort que gouvernement a été interprété. Ensuite, l'autre question, c'est pour le ministre intérieur et la collectivité territoriale. Vous parlez d'environ 10 000 monde que nous déplacés. Est-ce que monde ça c'est sinistré ou bien c'est des monde qui déplacés de zones à risque que nous mettez dans des camps pour capable de protéger au camp pour éviter que vous évitez. Merci. Monsieur le Premier ministre, et en ce qui concerne la question à poser spécifiquement au Premier ministre, oui, nous satisfaits et vous connaissez l'essence du message nous matin. Nous satisfaits parce que toute prévention que nous avons fait, nous voyons que nous avons porté fruit. Cependant, étant donné que au niveau du gouvernement, nous sommes des perfectionnistes, nous avons un débriefing que nous gagnons pour nous faire, côté que nous allons regarder les points forts et les points faibles, de sorte que pour la plus prochaine fois que Haïti a gagné pour faire face à une catastrophe naturelle, qui gens que nous capables plus efficaces sur le terrain. Merci. Concernant plus passé 10 000 monde qui n'a abri provisoire, effectivement, il y a un peu des deux. Il y a deux catégories de monde qui là. Il y a monde, effectivement, que nous avons déplacé dans le cadre de prévention que disposition que l'État te prend. Et effectivement, il y a monde qui là parce que yo sinistré proprement dit, ou bien qu'il a écrasé, ou bien toiture caillou aller, ou bien parce que l'eau entre la caillou. Merci. Merci tout le monde et merci à tous les médias qui étaient en direct. Radio Nationale d'Haïti, Télévision Nationale d'Haïti, Radio Télé-Guinée, les différents médias, Horizon 2000, tous les médias en ligne qui, pendant toute période-là, qui étaient assistés. Nous accompagner gouvernement via et population hein, qui te facilite nous pour nous partager information qui stricte, information qui parfaite pour éviter ensemble de toutes mauvaises informations qui circulent. Ça, c'est qui montre que depuis l'an commencé après le conseil gouvernement, gouvernement travaille pour améliorer les conditions de la population hein, à travers non seulement les caravanes, mais tout disposition qui te met en branle pour entrer dans la logique et zéro mort qui t'est visé. Merci tout le monde et puis à la prochaine pour l'autre positionnement du gouvernement sur situation et cyclone Irma en notre pays d'Haïti. Merci encore. Que pas gagner l'hôpital ne pas recevoir blessés ni pour qu'on ait aucun rapport. Alors bien dit, c'est partiellement parce que nous pouvons recevoir rapport pour journée, hein? Mais jusqu'à hier soir, pas de gagner trop de. Pas de gagner cas vraiment qui te mérite une grande, grande attention de la part des hôpitaux. Donc, nous pas gagner, nous pas connaître tous si le monde ça, qui t'a gagné cas au niveau du terrain, pas présenté, peut-être au niveau des structures et des centres de santé. Donc, c'est pour ça que m'a dit là, c'est sous toute réserve, en attendant que nous fassions une évaluation rapide. Au niveau des structures de santé, au niveau de la communauté, à travers les agents de santé, pour nous connaître exactement ce qui fait. Mais nous connaissons dans une période de la pliant, toujours des maladies, selon l'information que tu as communiquée hier, tu as demandé aux populations, les mêmes, les réactifs, appliquer le principe hygiène. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé publique, est-ce que là, nous faisons des interventions de manière à ce que pour permettre aux populations qui n'ont abri aux jeunes Clorox, de manière à ce que pour être capable de bien utiliser de l'eau, pour faire le bon. Ok. Nous avons déjà des tablettes de Clorox qui étaient distribuées, mais nous allons continuer à faire ça. Pas oublier que nous avons des équipes mobiles d'intervention rapide dans chaque département. Ce sont des équipes, leur choléra,
t'es vraiment t'es une grande flambée équipe ça te travail peut t'a fait sensibilisation pour être capable porter certaines choses à la population. Donc équipe ça les Émirats sont toujours sur place en train de faire la sensibilisation de la communauté, la sensibilisation de la population. Et puis pour prévention aussi des épidémies, t'as comme t'as dit hier, même mesure d'hygiène toujours de mise pour éviter certaines épidémies. Merci ministre. Okay. Merci tout. Merci à la à Téléguinée, à Radio Téléguinée. Et voilà, mesdames, messieurs, c'était ministre Santé publique à population, docteur Marie-Greta Clément, qui est dans le cadre de la conférence à tout le gouvernement au complet, lui-même qui était presque présenté avec notre tête chaud, Premier ministre haïtien, Dr. Jacques Guy Lafontaine. Maintenant, nous allons le recevoir pour qu'il y ait là un ministre haïtien qui vit dans un pays étranger, qui va parler ensemble avec nous de disposition, ministre par l'app dirigeant, ministre Stéphanie Auguste. Bonjour, bienvenue sur Radio Télé-Guinée. Et pour qu'il y ait là des sentiments pour nous de passer au Wagon Mathieu, Irma. Yema, alors, moi, remercie Radio Télé-Guinée. Nous avons l'occasion de sa possibilité ça pour. Moi qui a partagé certaines informations avec nous et moi félicite nous pour le travail que nous avons fait d'arrache-pied parce que nous toujours sous terrain, nous toujours accompagner tout gouvernement et nous reporter toute la diaspora et fort et toute activité que le gouvernement a fait. Alors chapeau pour nous. Et moi salue tout frère Maxime qui vivent dans la communauté internationale, alors diaspora. Yo. Et mais même en tant que ministre haïtien qui vivent à l'étranger, disposition que nous faisons, j'aimerais te dire, et moi mettez en ligne téléphonique d'urgence 40 000 040. C'est surtout nous te mettez pour diaspora qui ici qui a en difficulté, peut-être qui te rate vol, qui prend dans certaines difficultés avec passage pour agrandir. Irma, pour nous t'aider à servir, mettez-nous à service. Et nous avons tout, et un pile appel que nous recevons de diaspora qui a demandé des informations, peut-être de familles, de certaines localités, de certaines zones que nous sortis. Et tout, nous mettez sur Internet, là, nous mettez en cellule d'urgence qui pour répondre à questions, à commentaires et qui pour partager tout information, même information ouais, que le ministre intérieur, que le ministre bah, en termes de bilan, nous mettez sur page Internet nous, pour le monde de diaspora. Pour visiter page pour informer de bilan actuel au fur et à mesure que nous tirons de coup qui bat nous des informations sûres et précises. C'est pour diaspora pas fier à l'autre. Ces nouvelles, notre mésinterprétation, notre image qu'il apprend par exemple qui sorti dans l'autre pays pour dramatiser la situation. Alors nous-mêmes, nous besoin que pour information, que pour communauté haïtienne, pour lui joindre de bonnes informations sur et pour y fier uniquement à sa gouvernement à Bayo et à sa, par exemple, Téléguinée à Bayo comme image, comme bonne information. Au niveau ministère haïtien qui vit dans un pays étranger, vous mentionnez qu'il y a une cellule, nous te mettez campé, est-ce que nous te recevons des...